Lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin, c'est cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens comme nous, ils ont abattu au colabus. Hier ils étaient en vie, le bien qui parlait qui n'a pas mort, mais aujourd'hui ils sont dans des morgues. Si les gens vont jamais n'en ont pas mal. Si nous nous sommes vivants, ce qui nous est posé en bon moyen, c'est la grâce de Dieu. Et Zambolo et Zambé. C'est pourquoi à tout moment, par la tine de l'amour, la reconnaissance, nous lui sommes reconnaissants. Nous lui disons merci pour la vie. Vélisai maton pour la bon moyen. Merci pour l'être que tu nous as donné. Maton pour la bon moyen pessimiste. Merci pour la respiration. Maintenant pour la paix, parce que tout ce que nous sommes comme hommes, Zambignon soit aux années le col à bateau, ce n'est que le souffle de Dieu dans nos narines. Yahweh Zalikaka, Pema et Zambé, Nabazo Nabiso. S'il nous les retire, car c'est ce qui a botté le Bissot en nous, ils ne seront plus rien. Nous serons comptés parmi les cadavres. Nous serons chassés du milieu des hommes. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce. C'est pourquoi nous lui sommes très reconnaissants. Nous le bénissons encore. Parce qu'il nous a fait la grâce de nous approcher de lui ce matin. Et puis, cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens aussi ce matin qui chantent comme toi. Il y a des gens qui ont dansé comme toi. Croyant être devant la présence de Dieu. Mais malheureusement, ils n'y sont pas. Ils sont loin de la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas les chants qui font en sorte que nous soyons en présence de Dieu. Je vous assure qu'il y a des gens ce matin qui ont chanté le même cantique que nous. Ils ont dansé aussi avec joie. Mais ils n'ont pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité. Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le fondement de l'enseignement des apôtres. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu de la montagne, pour lui parler de comment il devrait ériger les tabernacles. Vous savez, et après, les peuples qui étaient restés au bas de la montagne, ils ont vu que Moïse tardait de revenir. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Parce que c'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils ont fabriqué le veau d'or.
mwana na ngombe, le veau d'or. L'homme est à Olo. Et ils ont dit au peuple, Péda et ici l'Ota, Israël, Israël, voici ton Dieu. Dalanzambi na yo. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Péda bini si yo na moka na Égypte. Si tu es loin, ce qui osa musika, si tu es loin, ce qui osa musika, tu ne sauras pas de quel Dieu il s'agit. Péyo koye ba tenzambi nino ba zolo bela. Tu penserais peut-être qu'il parle de l'Éternel Dieu. Mais la musique osa penser que ba zolo bela yo. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui leur avait fait sortir du pays d'Égypte. Mais quand tu t'approches, pour voir le Dieu qu'il présente au peuple, et tu verras que c'était le veau d'or. Ce n'était pas l'Éternel Dieu. Mais il dansait. Il chantait. Les titres de leur chant. Et Tina ya Kobina na bango. Titre Mokonza. Mama ya likambo ya Kobina na bango. C'était voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et là qui t'a l'exemple na yo ya misaki na mboka na Égypte. Quand tu regardes ce Dieu là, c'est même titre là du chant. Et nous aussi nous chantons comme ça. Il se fait aux hommes à bongo. Mais nous n'avons pas les veaux d'or. Nous avons le vrai enseignement. C'est ce qui nous différencie des autres. Ce n'est pas d'abord les chants. Ce n'est pas d'abord les louanges. Et c'est la parole qui est le sujet d'adoration de ces gens-là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que vous êtes heureux. Parce que vous gardez l'enseignement des apôtres. Parce que les églises où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, ils ne verront pas Dieu non plus. Jean veut-il. Il dit faites attention et en fait que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Cela veut dire quoi? Tout le travail que nous faisons pour Dieu, que ce soit vous et la Bible, que ce soit nous et la Bible, on peut aussi perdre les fruits de ce travail là au jour du Seigneur. Maintenant il explique comment. Il dit si quelqu'un va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est comme ça qu'on peut perdre les fruits de son travail. Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, c'est pourquoi Jésus disait, non, c'est un point, si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ. Jésus, yes, il disait à ses disciples, ah, il dit, errez sont vos yeux. Alors, non, il dit, errez sont les yeux. Qui voit ce que vous voyez? Donc si tu ne vois pas ce que les disciples de Jésus voyaient, tu n'es pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Et les heureux sont vos yeux. Les yeux qui voient ce que vous, mes disciples, vous voyez. Les oreilles qui entendent ce que vous attendez. C'est pourquoi on ne blague pas avec la doctrine des apôtres. Jean a prêché. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Il dit ce que nous avons annoncé dès le commencement. Ce que nos yeux ont vu. Ce que nos mains ont touché. Nous avons touché la vie. Nous prêchons la vie. Ils sont aux autres à bon. Mais eux, ils ont touché la vie. Parce que maman m'a si bâti bon. La vie a été manifestée. Ils ont touché la vie. Bon, moi, Jean a dormi sur la poitrine de la vie. Yohan a l'air
C'est ce que nous vous annonçons. Afin que vous soyez en communion avec nous, nous les apôtres. Parce que notre communion à nous, nous les apôtres, c'est avec Dieu. Et les apôtres, dans leur enseignement, ils étaient en communion avec Dieu. Dans leur enseignement, ils étaient en communion avec Dieu. Maintenant, ils prêchaient aussi les gens pour être en communion avec eux et Dieu. C'est pourquoi lui-même a prêché celui qui n'a pas la doctrine et qui se n'a point Dieu. Même si on prêche en bon français, on prêche vraiment en bon anglais. Mais la parole de Dieu n'est pas d'abord ces choses-là. S'ils n'ont pas la doctrine des apôtres, ils n'ont pas Dieu. Bon, vous êtes heureux. Parce que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Mais le Seigneur vous a fait grâce. Écoutez ces choses. Sans effort. Et de croire en cela. Et puis, le Seigneur a garanti ton salut. Et puis, il a garanti cela. Amen. Afin que tu sois vraiment fortifié dans le Seigneur. Ton sort. Ton sort. Ta fin. Ce n'est pas comme la fin de tout le monde. Je vous ai toujours dit, je le répète, votre fin, ce n'est pas comme la fin de tout le monde. Parce que vous avez croisé Jésus-Christ sur votre chemin. Et c'est ce qui est la plus grande des choses. Vous n'avez pas raté votre voyage sur la terre. Il y a des gens qui ont raté leur pèlerinage sur la terre. Mais nous n'avons pas raté le nôtre, frère. Les souffrances que tu vis maintenant, c'est pour peu de temps. Et n'a pas la terre au la Bible appelle ça des légères afflictions. Peut-être dans ton travail, ton chef te persécute. Mais on n'a pas un salaire décent, un salaire que tu veux. Je dis, dans ton travail, tu n'as pas un salaire décent. Mais il ne faut pas regarder beaucoup plus ce salaire-là. Regarde la gloire à venir qui t'est réservée dans les cieux. Parce qu'on appelle ça des légères afflictions, c'est léger. Je dis encore que vous n'avez pas raté votre pèlerinage. Vous êtes des gens heureux. Les soucis de la vie viennent seulement pour essayer de vous décourager. Mais je crois que par la foi, vous allez les surmonter au nom de Jésus-Christ. Sans vous donner la force au nom de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu vous soit favorable. Nous allons faire la lecture de nos textes. Nous prenons psaume 89. Notre texte habituel. Maman, il est la biso. Je prends le verset 20. Jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et
J'ai trouvé David. J'ai trouvé la loukipé la moni David. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. J'écraserai devant lui ses adversaires. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Et sa droite sur le fleuve. Et sa droite sur le fleuve. Il m'invoquera. Dieu mon père. Mon Dieu. Zambe nangai. Et le rocher de mon salut. Et puis il m'a l'obit qu'on a. Oui, il m'invoquera. Dieu mon père. Mon Dieu, il est le rocher de mon salut. Et le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Et le Seigneur nous ajoute l'explication. Parce que c'est lui le véritable Seigneur de cette alliance. Parce que nous ne sommes rien. C'est lui qui est quelque chose. C'est lui qui enseigne. Et c'est lui aussi qui est capable de te donner l'entendement spirituel. Parce que si tu comprends ces choses, bien-aimé, tu n'auras plus peur de rien. Ta foi vraiment sera basée sur le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur est tout puissant. Et toi, tu ne peux avoir peur de rien. Et tu auras l'assurance pour marcher encore longtemps sur ce chemin. Parce que tu es le fils du roi. Parce que tu es la fille du roi. C'est pourquoi le Seigneur vous donne la parole. Je vous exhorte toujours à être attentif à la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole qu'il y a le salut. C'est dans la parole qu'il y a la délivrance. Lorsque Jésus a vaincu la mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il a regardé là où il pouvait mettre la victoire sur la mort. Il a pris cette victoire et il l'a mise dans la parole. Il l'a mise dans l'enseignement. C'est pourquoi il est écrit. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la prédication. Dieu sauve par la prédication. Et tu es heureux si tu donnes tes oreilles à la parole. Si tu comprends la parole, tu feras les choses de Dieu sans regarder les gens. Tu vas danser avec objectif. Tu vas chanter avec objectif. Connaissant qui tu es en train de servir. Parce que tu connais la parole de Dieu. C'est là qu'il y a les saluts. C'est là qu'il y a d'abord la délivrance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. C'est pourquoi il faut beaucoup aimer la parole. C'est même l'identité de notre église. Il y a mon nez, le lingue et
La parole, la connaissance de la parole. On parlait sur les faveurs saintes faites à David. On a dit que Dieu a prêté secours à un héros. Il a élevé du milieu du peuple un jeune homme. Il a trouvé David. On avait dit que David était déjà un héros. Avant que le Seigneur ne vienne le trouver, il était déjà un héros. Nous reprenons comme ça pour que ça puisse bien rester. Et pour toi qui n'étais pas là dans la semaine, que tu puisses aussi avoir la connaissance de ce qu'on avait dit. Donc David était déjà un héros. Lorsque le Seigneur l'a trouvé, David était déjà un héros. Donc il faisait déjà des exploits. Mais cela était un mystère. Cela n'était pas connu du grand public. Amen. Amen. Mais le Seigneur va les trouver pour l'établir chef de son peuple. Je dis ceci. Quand on établit quelqu'un roi du peuple, c'est pour qu'il sorte avec le peuple, sortir dans la bataille et retourner aussi avec le peuple, qu'il puisse être berger de ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle on établit un roi en Israël. Et David, avant qu'il ne puisse être établi roi par le Seigneur, il était déjà berger des brebis de son père. Et là-bas, il avait combattu le lion. Et là-bas, il avait combattu l'ours. Il regardait vraiment jalousement les brebis de son père. Alors le Seigneur est venu le trouver. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur l'a oint de son huile sainte pour qu'il soit roi sur le peuple de Dieu. On avait dit que c'est David là. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les hommes dans l'ancienne alliance, ils n'étaient que comme les signes de l'Éternel lui-même. Il y a un moment où il est caché dans l'ombre. Mais il est en train de faire des exploits. Mais ces exploits-là n'est pas encore connu du grand public. C'est pourquoi on avait dit notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas commencé lorsqu'il est venu dans la chair. Sa venue dans la chair, ce n'est que la manifestation. Mais il existait déjà comme l'Esprit de Christ. Il faisait déjà des exploits. Ce n'était pas un homme qui était faible. Il était un héros. C'est comme on nous demande parfois au travail. Nous voulons engager quelqu'un ici au travail. Où est-ce que tu as travaillé? On demande les CV. Ton expérience dans ce domaine-là. Il faut savoir que notre Seigneur aussi, comme serviteur de la maison de Dieu, comme serviteur, il a aussi un CV. Et son CV, c'est tous les exploits qu'il a fait dans l'ancienne alliance. Quand Israël était
soyez puissants. Si j'ai vu la souffrance de mon peuple, et je suis descendu pour les délivrer. C'était lui notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'homme. Quand ils sont entrés dans le pays, ils sont commencé à combattre pour conquérir le pays. C'est lui qui leur a donné la victoire. J'ai dit, c'est lui la personne qui leur a donné la victoire. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était encore l'ombre des choses. Tous les juges en Israël, c'est toujours Jésus-Christ qui était avec eux. C'est pourquoi il est écrit dans Juges 2, le verset 18. L'Éternel était avec ces juges-là. Et il est délivré pendant la vie, toute la vie de ces juges-là. Donc en réalité, les héros, c'était l'Éternel lui-même. De la même manière aussi, David. Il était un héros. L'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a établi comme roi sur son peuple. Mais les Juifs ne le savaient pas. Ils s'étaient voilés pour comprendre que c'est lui leur Dieu qui combattait pour eux. Amen. C'est pourquoi il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Cela veut dire qu'il rassemblait les enfants d'Israël. Lorsqu'il venait les délivrer de la main des ennemis. Mais les enfants d'Israël ne le voulaient pas. Ils retournaient toujours dans l'idolâtrie. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, ils ont manifesté la même attitude à son égard. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont livré entre les mains des pécheurs. Donc, ils ne connaissaient pas que c'est lui, David, et là de l'homme. Mais nous sommes heureux. Parce que nous avons connu que c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les grands combats des apôtres à leur temps. Jésus qui est le Christ. Lisez ça bien. Combat avec les Juifs dans les synagogues.